Nous sommes réunis aujourd'hui pour que justice soit rendue pour Martin Borilski. Cette manifestation est organisée avec l'accord du bâtonnier de Paris. Christian Charrière-Bournazel, qui a écrit une lettre aux autorités bulgares et précisément au président de la République de Bulgarie, M. Gheorghi Parvanov. Je vais lire cette lettre. Cette lettre est datée du 1er avril 2009. Monsieur le Président, plusieurs de mes confrères parisiens ont attiré mon attention sur l'assassinat d'un ancien élève avocat du barreau de Paris, Martin Borilski, l'un de vos compatriotes de nationalité bulgare. Ce crime a notamment fait l'objet de l'ouverture d'une procédure instruite et jugée dans votre pays et qui me détermine à prendre contact avec vous pour vous en entretenir. Le 20 juillet 2000, Martin Borilski, âgé de 24 ans, brillant élève avocat du barreau de Paris, promis au plus bel avenir, était retrouvé à son domicile du 15e arrondissement de Paris, assassiné de 93 coups de couteau, porté par arme blanche, dont 8 lésions de défense, crâne et visage fracturés. Le parquet de Paris requérait ainsi le 26 juillet 2000 l'ouverture d'une information judiciaire de laquelle il ressortait que plusieurs ressortissants bulgares ayant pris la fuite pour la Bulgarie dans les jours suivant le crime étaient identifiés à la suite d'une expertise ADN comme étant susceptibles d'être mis en cause dans la commission de cet assassinat. Un mandat d'arrêt international fut délivré par la justice française les 6 novembre 2001 et 17 décembre 2002, alors que de manière contemporaine, la justice bulgare choisissait de se saisir de l'instruction et du jugement de cette affaire. C'est ainsi que le 27 mars 2008, les mises en cause étaient acquittées par jugement du tribunal du district de Choumen, ultérieurement confirmées par un arrêt de la cour d'appel de Veliko-Tarnovo du 21 janvier 2009. A été formé tant par la famille de la victime que par le parquet bulgare devant la Cour suprême de Bulgarie qui connaîtra de cette affaire le 29 avril prochain. En outre, la procédure criminelle ouverte à Paris à la suite de ces faits perpétrés sur le territoire français a abouti à une ordonnance de mise en accusation et de renvoi devant la Cour d'assises de Paris. Il a été interjeté appel récemment de cette ordonnance en sorte que la justice française se trouve actuellement saisie de cette affaire. Il est vrai que M. Étienne de Poncin, ambassadeur de France en Bulgarie, a vivement protesté contre les décisions rendues par les juridictions de première instance et d'appel de votre pays. Dans un communiqué du 22 janvier 2009, que je ne commenterai pas, mais dont je me limiterai à en reproduire les termes. L'ambassadeur de France en Bulgarie, Étienne de Poncin, accueille avec beaucoup d'étonnement et d'incompréhension le jugement en appel rendu le mercredi 21 janvier 2009 par le tribunal régional de Veliko-Tarnovo, acquittant les deux prévenus suspectés d'avoir sauvagement assassiné de 93 coups de couteau le jeune Martin Borilski en juillet 2000 à Paris. L'ambassadeur s'était rendu à Veliko-Tarnovo pour suivre le procès en appel le 22 décembre 2008. Il convient de rappeler que la police et la justice française ont transmis aux autorités bulgares des éléments de preuve précis, concordants et accablants à l'encontre des deux prévenus. La ministre de la Justice française, Madame Dati, avait évoqué cette affaire avec son homologue lors de sa venue à Sofia en septembre 2008. Ce jugement intervient près de 9 années après les faits, alors que les suspects n'ont jamais été incarcérés et que la procédure a connu de nombreuses vicissitudes. Au moment où le gouvernement bulgare affiche sa volonté de réformer en profondeur le fonctionnement de la justice, cette nouvelle décision d'acquittement dans une affaire criminelle illustre malheureusement, et sur la base d'un cas concret, un peu plus les difficultés persistantes des institutions judiciaires à prononcer des condamnations. Cette situation est régulièrement soulignée par la Commission européenne dans ses rapports publiés dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification. L'arrêt d'acquittement de la Cour d'appel de Veliko-Tarnovo, comme le jugement de première instance, ne peuvent que susciter incompréhension et étonnement. Compte tenu de la nature et de la qualité des informations recueillies en France contre les mises en cause. C'est pourquoi, en prévision de l'audience de la Cour suprême bulgare du 29 avril prochain, au nom du barreau de Paris, soucieux de voir la vérité éclater dans cette affaire, je m'adresse à vous, Monsieur le Président, ultime garant de l'indépendance et dès lors du bon fonctionnement des institutions de votre pays, afin que la justice bulgare aborde ce dossier avec la sérénité, la dignité et l'indépendance attendue des institutions judiciaires d'un État membre de l'Union européenne. J'adresse copie de ce courrier au président de la République française, au ministre de la Justice française, à Monsieur le Premier ministre de la République de Bulgarie.
pour Martin. Justice 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 pour Martin. Je m'adresse, au nom du groupe également ici présent, à Madame l'ambassadrice de Bulgarie en France, pour lui demander, puisque vous nous écoutez, Madame l'ambassadrice, de bien vouloir recevoir la délégation qui patiente actuellement devant votre ambassade. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Nous avons été reçus par deux personnes de l'ambassade. Monsieur Stoyanov, conseiller chargé des affaires consulaires, et Monsieur Belichkov, conseiller politique de l'ambassade. Ils nous ont assuré tous les deux que cette affaire défrayait la chronique en Bulgarie et revêtait une importance capitale. Ils nous ont également assuré qu'ils transmettraient notre message, à savoir le souci de voir la Cour suprême bulgare trancher ce litige avec indépendance, une indépendance totale, digne d'un pays d'Europe. Nous sommes très heureux d'avoir été reçus par les représentants de Madame l'ambassadrice, que nous tenons à remercier, en espérant que les contacts que nous avons initiés aujourd'hui se poursuivront plus tard. Merci encore.